have a lot of money, but he taught me how to keep the perfect posture. So folding under pressure, that ain't something that I'm about to. Crabs in the barrel, I'm just trying to be a lobster. I hit my cousin, told him to call. It's been 12 years and I ain't heard from him at all. Had a little fallout over some money. Damn, ain't it funny how the smartest people be beefing like they some dummies? But I hope you doing swell now. Hope your family well now. We still believe in Ronnie, gonna make his way out of jail now. My little bro tripping too, but this time he ain't making bail now. 18 doing 20, that math straight out of hell now. Sorry for all the small talk. It's the only weapon I got for this depression I got. Trying to find a way to get back all these blessings I blocked. Gotta help my mama cause she still been stressing a lot. It's hard to find the sunshine when it gets cloudy. So when I put on a smile, I wear it proudly. Don't know where the future's going, but I know it can't go on without me. That's real talk, look. Sometimes I make mistakes in my life, but I'm trying so hard to make it right. Even though sometimes I make mistakes in my life, life goes on and on and on and on and on. Yeah, sometimes the silver lining don't look quite silver. Sometimes you a Fred and sometimes you a Wilma. Life hand out lemons and I'm making lemon meringue. Come have a slice if you feeling the same, man. I hope my ex still ain't feeling the pain. She had one heart and I broke it a million ways. I got a daughter now and it's driving me really insane. Cause somebody could do to her what I did back in the days, ay. And keep your head up, baby girl, it gets better. And even if it don't, I'll be right here to protect you. And keep your head up, baby girl, it gets better. And even if it don't, I'll be right here telling you life goes on. Salut la famille rouge, bienvenue dans le talk RSL, l'émission pour et avec les supporters du Standard, en direct sur Facebook et sur YouTube. Bonsoir Aurélien, bonsoir Marina, bonsoir Maïtika, bonsoir Bernard, bienvenue dans ce 17e épisode. Bon les amis, ce soir, comme la dernière fois, on a quelques cadeaux pour vous tout au long de l'émission. En tout cas, j'ai deux questions que je poserai durant l'émission et je pourrai vous faire gagner ces deux beaux ballons vintage. Et puis, en fin d'émission, parce que je sais que ça vous manquait, ben, on va vous faire gagner un beau maillot signé de notre invité du soir. Il n'y a que dans le talk qu'on voit ça. Justement, notre invité du soir, il cartonne pour sa première saison, lui aussi. Un des chouchous du coach Bay, le rouge du soir. On lance tout de suite la séquence. C'est parti. Ouais, je reprécise hein, l'adresse letalk@rsl.be pour nous laisser des messages tout au long de la semaine, mais aussi voilà, si vous êtes en direct sur YouTube et sur Facebook, eh ben, vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vos questions pour notre invité du soir qui est donc Michel-Ange Balikwisha. Salut Mickey. Salut Malik, ça va? Ça va ou quoi? On est là toujours. Eh ben écoute, tu sais, je te l'ai souhaité en privé. Mais là, je préfère le faire devant tout le monde dans le talk. C'est parti. Au revoir la musique, Guillaume. Et j'en profite pour... Ah mais bon, la bougie s'est éteinte. Mais bon, hé hey. Ouais, pourtant, je sais pas, bon, si tu veux, je te la porte chez toi. Hein. Attends, je vais peut-être le rallumer quand même. Hop. Bon anniversaire à toi, Michel-Ange. Merci. 20 ans. Plaisir, Mali. Bon allez, je souffle pour toi parce que je vais pas te demander de souffler, ça ferait un peu bidon. Allez, du coup, Mickey, ben, comment ça s'est passé ton anniversaire? Bien. C'était top, je suis arrivé au foot. Non, déjà j'attendais minuit parce que j'avoue, c'est précieux quand même. J'attendais minuit, j'ai eu des joyeux anniversaires de ma copine, ma maman, mon père, toute ma famille. Et après, arrivé au foot, j'ai bien été accueilli. Il y a eu le sacré tunnel où tu dois passer et tout le monde te tape un peu. Ouais. Mais c'était top. J'ai bien profité. Ben en tout cas, tu as le bon anniversaire d'Aurélien, Pauline, je crois que j'avais vu Dimitri, Maïtika, Marina. Bref, voilà, les gens sont bien contents pour toi. Marquer un goal ce week-end pour ton anniversaire, la classe quand même. Hein. Pardon? Marquer un goal ce week-end juste avant ton anniversaire, c'est quand même cool. Ouais, c'était top. Bon, j'avais pas prévu ça, mais je voulais quand même marquer, tu vois. Mais c'est plus que top. Tu marques, deux jours après, c'est ton anniversaire. Là, c'est sûr que ta semaine, elle est réglée.
Bon, Mickey, t'as intérêt à assurer ce soir parce que je crois qu'il y a un certain Nicolas Rasquin qui regarde le talk. Donc il va falloir assurer parce que lui, il était très très bon hein, dans son émission. Du coup, Mickey, 8 goals cette année, à 20 ans, première saison. Est-ce qu'on peut dire plutôt que pour toi, c'est une saison plutôt bien réussie? Ouais, on peut le dire. Allez, on va dire à 19 ans parce que je viens d'avoir 20 ans après mon but. Mais c'est plus que réussi. Pour moi, en tout cas, pour une première, c'est plus que réussi parce que tu viens de U21, tu ne t'attendais pas à jouer aussi vite. Tu joues, tu as ta place, on va dire. Et tu as 8 buts parmi ceux qui ont déjà fait 3-4 saisons. Je pense que pour moi, c'est plus que réussi. Et du coup, Mickey, on va revenir avec toi en fait, sur tes débuts. Hein. À quel moment, bon, c'est la question toujours facile à poser, mais c'est à quel moment tu as eu le déclic et tu t'es dit, bon, je veux devenir footballeur professionnel? À quel moment? À quel moment, à quel âge? Je ne me suis jamais dit ça. C'est juste mon grand frère William, il joue au foot. Moi, j'aimais juste le ballon pour courir après le ballon. Et arrivé, il était parti, on lui a dit d'aller faire des tests à Anderlecht. Et moi, j'étais là avec mon papa, il m'a envoyé des ballons, je jouais avec lui pour faire passer le temps. Et c'est là qu'il y a eu le recruteur d'Anderlecht qui a dit « Ah, il y a un petit frère. Bon, on prend les deux, ma mère ne voulait pas. » Et le monsieur, il a dit « Ben, on prend les deux en charge. Vous n'avez rien à payer et ils viendront chez nous. » Après, ma mère, elle a dit « Ah, ok, si vous prenez les deux en charge, pas de souci. » Et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Attends, ta mère ne voulait pas? Non. Et quoi, pourquoi si c'est pas indiscret? Elle a dit « Un, c'est assez. Deux, c'est trop. » Parce qu'on va dire qu'il faut payer aussi. Et elle voulait pas payer pour les deux. Après, le monsieur il a dit « Non, on prend les deux en charge. » Et elle a dit « Pas de souci alors. Bah » donc. Quand même, heureusement d'avoir un peu convaincu ta maman, notamment dans cet aspect-là. Du coup, tu parlais un peu d'Anderlecht. Hein. Bon, on va un peu parler de ça, mais un tout petit peu, vraiment. Tu l'as vécu comment, cette expérience chez les jeunes, donc ton passage à Anderlecht, mais après aussi ton passage au Standard? Comment tu as vécu ces deux moments-là, en fait? Ben, très, très bien, ces deux moments-là. Anderlecht, c'était plus dans le jeu ballon au pied, faire circuler le ballon. Et au Standard, quand je suis venu, c'était plus athlétique, on va dire, au tout début. Après, les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils ont compris le foot, c'est le ballon. Donc, grâce à ça, ces deux expériences-là, j'ai on va dire, un bon toucher de balle, j'ai gardé le ballon et tout. Et physiquement, j'ai tenu 90 minutes. Donc, je suis vraiment content d'être passé par les deux formations qui me ramènent là aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est rare de oser quand même le dire aussi, et c'est bien, c'est ce qui fait aussi ta personnalité, et on apprécie vraiment ici. T'as Yves Simonis qui dit « Joyeux anniversaire, Mickey, j'ai eu la chance de t'avoir au Standard en U16 ». Voilà, donc voilà, il y a pas encore beaucoup de gens qui te suivent. Yves Simonis. Ah ouais. Voilà. Mais donc ouais, les gens continuent à te suivre, hein. ils croyaient déjà en toi à l'époque, donc c'est déjà pas mal. Du coup, on a parlé un peu de ta partie en tant que jeune à l'Académie du Standard, donc la SL16 Football Campus. Il y en a d'autres hein, qui ont réussi, comme toi, à arriver dans le noyau pro. Il y en a un en particulier, c'est la première vidéo qu'on monte ce soir pour toi. Il avait un message, tu vas voir, c'est plutôt sympa. Ça va ou quoi, Mickey? Je suis avec Fira, tu connais? Dilith, ça va ou quoi? Bon, Malik m'a demandé de te poser quelques questions. Moi, j'en ai deux pour toi. La première, c'est pourquoi on t'appelle Beckham? Ça, j'aimerais bien que t'expliques à Malik et aux supporters. Et la deuxième, c'est est-ce que t'as aimé mon petit cadeau pour Dolcinelle à l'entraînement? Mon frère, c'est tout pour moi et vas-y, hein. Zéal, tu connais. Bon, ouais, tu peux pas te défiler, il faut que tu répondes aux deux questions, Mickey. D'abord, pourquoi Beckham? Beckham, bah, on va dire c'est parce que chez les jeunes, par exemple, par rapport aux chaussettes, à l'époque, on pouvait pas couper nos chaussettes. Mais moi, je le faisais quand même parce que j'aimais ce style-là. Donc, on va dire Beckham, c'est plus une personne qui respecte rien. Bon, je le donne à Selim aussi parce qu'on va dire Selim, on lui dit deux touches, il va faire 3-4 touches. Donc lui aussi, on va dire c'est un Beckham. C'est pour ça qu'on m'appelle Beckham parce que allez, je respecte quasi rien. Et la deuxième question. La deuxième question, c'était par rapport au cadeau. Il y a un cadeau là quelque part qui a été offert. C'est quoi? Dis-moi un peu. C'est pendant le tunnel. Je suis passé et il m'a mis des patates derrière le dos et j'ai senti pendant 2 minutes. Et je vais prendre ma revanche.
Voilà, j'espère qu'il nous regarde là maintenant, Damien, que t'as vu, Mickey est prêt, il va prendre sa revanche. Du coup, durant ta formation, Mickey, pour revenir un peu là-dessus, notamment là, ta partie au Standard, c'est un peu la question un peu, voilà, pas super positive, mais est-ce que t'as eu des moments de doute, du coup? Parce que c'est vrai que pour toi, tu faisais que jouer au football, tu prenais du plaisir, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit c'était un peu trop voilà. Est-ce que tu avais envie d'arrêter à un moment donné? Franchement, jamais. 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 Parce que, on va dire, même par rapport à mon contrat, j'ai toujours dit à mon papa, moi, on peut m'enlever mon contrat d'aujourd'hui et me dire de jouer 90 minutes, j'aurais pas besoin d'argent. Parce qu'on va dire, j'ai commencé le foot sans argent. Et là, maintenant, allez, l'argent est là parce que c'est une récompense. Mais moi, je joue pour le plaisir, pour le beau jeu et pour m'amuser surtout. Yeah. Ça rappelle un certain joueur, je crois qu'il joue en foot amateur, hein, Eden quelque chose, là, qui lui aussi prend du plaisir pour le football. Du coup, j'avais une question ici de Maria Delacherie, donc on va parler aussi de ton passage en pro, mais je vais quand même lire la question de Maria qui disait, bon, on le voit ici sur les images, hein, tes différentes prestations cette saison, c'est quoi ton match de référence cette année? Mon match de référence? Celui où tu t'es dit, ah, j'ai tout éclaté. C'est au stand. Ah ben, c'est stand. Justement. Ouais, c'est ce match-là ici qu'on voit quand j'ai marqué, parce que là, j'ai pris plus que du plaisir après ce but-là. Je demandais le ballon en défense, je montais, j'essayais de combiner, je créais beaucoup d'occasions. Et là, je me suis vraiment senti un peu comme chez les jeunes. Je prenais du plaisir, comme si c'était à l'entraînement, sans stress. Et c'est ce match-là. Et du coup, alors, ton passage chez les pros, est-ce que ça a été facile dans l'adaptation? Parce que c'est vrai qu'on a souvent posé la question, c'est quoi la différence entre les U21 et les pros? Pour toi, est-ce que ça a été difficile? Difficile ou facile dans le rythme des matchs, peut-être les rythmes des entraînements, l'adaptation? Ben, au tout début de la préparation, franchement, pendant 2 semaines, je me sentais vraiment dégueulasse. Parce que, on va dire, je me reposais sur mes qualités. Et arrivé là, je voyais d'autres qualités et j'étais plus fan que joueur. Donc là, j'avais un peu douté. Je me suis dit, je pense qu'on va me renvoyer en U21. Mais je me suis accroché. Je me suis dit, après la 2e semaine, je me suis dit, non, réveille-toi, c'est pas possible d'être comme ça. Et après, j'ai commencé à faire des bons entraînements jusqu'à ce que coach Montagny me donne ma chance, jusqu'à maintenant. Alors, on avait sur les réseaux sociaux cette semaine certaines questions te concernant. Bon, il y avait Tim Ustache qui demandait une anecdote quand tu étais petit. Bon, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter quand tu étais un petit footballeur, tout petit comme ça? Ah, je me rappelle, parce qu'il n'y a pas longtemps, il était parti à Walibi, donc il avait fait une petite vidéo. C'est en fait, on était à la cour de récréation et mon ami d'enfance, ben, il jouait avec des bâtons, il se lançait avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, moi je courais parce que je jouais à touche-touche avec d'autres. Et il lance le bâton et le bâton il s'arrête, je crois, c'était ici, à l'arcade là. Et je commençais à saigner. Et lui il pensait que j'avais perdu mon œil. Donc après, moi je lui disais c'est pas grave. On est parti voir ma mère qui travaillait aussi à l'école. Et lui il commençait à pleurer et tout, c'est ce qui est normal parce que quand on est petit à 10 ans, on a peur, on pleure. Et jusqu'à maintenant, là, il remercie le bon Dieu parce qu'il me dit, comme j'ai gardé mon œil, je vois bien le jeu. Et du coup, ouais, en fait, ça me fait penser tout simplement à me dire que c'est vrai que ça fait partie de ta personnalité. Tu as l'air d'être un casse-cou de dingue qui va à fond et tu n'as pas peur de ce qui pourrait arriver en face de toi. Et tu le prends toujours, même s'il y a quelque chose de compliqué qui arrive en face de toi, imaginons un énorme tacle, un tacle de bûcheron ou quoi. Bah, j'ai toujours l'impression que tu as le smile, tu es cool, tu es décontracté. Bah ouais, moi, je suis quelqu'un de très calme, souriant surtout. J'aime rigoler et je me casse pas la tête. Après, sur le terrain, je vais au duel, je ramasse un tacle mortel. Sur le moment même, je vais me relever, je vais aller devant lui en mode, comme tu dis, j'ai pas peur. Mais après, je vais directement, ça va redescendre et je vais me dire, calme-toi. Sur le moment même, je pourrais même le pousser directement. Mais après, je vais aller vers lui, je vais lui dire, ah, désolé, c'est normal, c'est la frustration ou pas. Ouais, un peu d'intimidation, quoi, aussi, hein, parfois, avec des joueurs un peu plus vieux, plus expérimentés face aux plus jeunes. Donc, ouais, c'est bien, c'est cool. Ça montre au moins que tu ne veux pas te laisser faire non plus. Bon, bref, exactement. Toujours dans les respects du jeu, forcément, Mickey. Ouais, c'est ça. Alors,
Mais du coup, on va faire un petit break dans ton interview. Hein. Je rappelle pour ceux qui nous regardent sur Facebook et sur YouTube, vous avez la possibilité de gagner quelques cadeaux ce soir. Et donc, c'est la première question de ce soir que je vous pose pour gagner, tenter de gagner un des ballons vintage du Standard. Pour ça, il va falloir me donner la réponse à cette question. Combien de buts? C'est super facile. Hein. Combien de buts a inscrit Michel-Ange Balikoucha cette saison? On en a parlé. Et du coup, vous avez une minute pour répondre, voire entre 30 secondes, une minute. En tout cas, en régie, on me dira stop quand c'est bon, et on annoncera le gagnant à la fin de l'émission. Donc il faudra rester hein, jusqu'au bout pour voir si vous avez la chance de gagner un beau ballon vintage. Je vois qu'il y a pas mal de bonnes réponses, hein. Bon, c'est facile. Sans dire le chiffre, Michel-Ange, c'est un ratio auquel tu t'attendais ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Parce qu'en U21, c'était la première saison où je marquais peu, et arriver là, marquer autant de buts, c'est choquant. Pour moi, c'est choquant, franchement. Et si je peux encore mettre plein, je serai encore le plus heureux. Ça, c'est sûr. Ah ben, on te souhaite en tout cas, parce que c'est vrai que ce n'est pas fini. Hein. Il y a quand même des play-offs 2 à aller chercher, donc on aura encore besoin de toi pour cette première saison. Du coup, voilà, on peut arrêter pour ceux qui nous suivent là, Facebook, YouTube en direct. On peut arrêter par rapport à la question. On va effectivement donner la réponse tout de suite. Hein. C'était donc 8 buts. Vous avez effectivement trouvé, la plupart ont trouvé les bonnes réponses. Et donc, en fin d'émission, on vous annonce le premier gagnant. Du coup, Michel-Ange. On va passer à un autre type d'interview. Bon, tu joues à FIFA. Mm-hmm. Ça va. Tu me rassures parce que si tu me disais non, j'aurais pu faire aller, hop là, c'est mort. Alors du coup, le temps que j'aille rechercher ma fiche parce que je l'ai vraiment jetée, on va lancer ta fiche FIFA justement. Et tu vas me dire, allez, comme première question, t'en penses quoi de ta fiche d'une manière générale. Globalité 59. Et quoi? C'est moyen ce 59. Qu'est-ce qui se passe là? J'avoue, sur Ultimate Team, là, ils ne m'ont pas respecté. Franchement, ils ne m'ont pas respecté. S'ils ont pris ça par rapport à ma saison U21, ils ne m'ont vraiment pas respecté. Même niveau endurance, j'avoue. Attends, parce que qu'est-ce qu'il est mis au niveau endurance? C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait le remettre. Mais ouais, bon, après, tu as de la chance parce que c'est vrai qu'ils auraient pu mettre, tu sais, comme d'habitude, quand il n'y a, y a, y a pas de photos, c'est encore pire. Ça, c'est vraiment la chouma de ouais, ouais. Mais là. Ça va. Ça, c'est Ultimate Team parce que quand tu joues en mode normal, tu vois, en match amical, bah là, ma cote, ils ont fait une mise à jour et elle est passée à 67. Ah, ok. Ouais. Ouais, là, donc, là, ok. Là, on commence à se dire, ok, on va aller le chercher. Là, on va aller chercher le jeune. Eddie, mais quand même, malgré tout, par rapport à FIFA, c'est quel secteur où tu dis que tu es sous-coté sur cette partie-là? Vraiment on sous-coté. Je peux revoir l'image, là? Ouais, on va remettre l'image. Ouais. Bon. Moi, j'aurais peut-être dit... Tu sais quoi, j'aurais peut-être dit... Attends, hein. J'avoue, finition, hein. Ouais, finition, ah. Quand même, c'est chaud. mais tu sais, même le crossing, hein, je trouve que ça a abusé. Crossing 47, ils ont fumé quoi? Ils m'ont pas respecté, quand même. Maintenant, l'autre... Allez, vraiment, pour taquiner jusqu'au bout, l'autre secteur où tu dis que t'es surcoté là-dedans. Où tu te dis vraiment, ah non, surcoté. Bon, ça sera difficile la défense, je vois que tu as 17. Mais, 75, là. Le 75, ouais, c'est. J'ai déjà oublié ce que c'était. Bon, la honte, en plus, j'en ai parlé à mon collègue, je lui ai dit, c'était quoi encore ça? Je joue à FIFA aussi. Hein. C'est la vitesse, mais, ça, non? Le PSI, il va peut-être me le dire, hein, peut-être dans l'oreillette. C'est la vitesse, voilà. Merci beaucoup à Florian qui est en régie, qui fait un super boulot et qui joue comme un dieu à FIFA. Comme ça, c'est dit, il sera tout content. Du coup, moi, j'avais noté aussi, c'est un peu par rapport à FIFA, donc ça, c'était pour l'interview FIFA, mais du coup, si on veut revenir plus par rapport à toi, parce que c'est vrai que FIFA se base surtout sur, voilà, sur comment se comportent les joueurs sur le terrain, si on peut revenir sur ta force à toi, la force à toi sur le terrain, c'est laquelle, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, voilà, c'est quoi ta force quand tu montes sur le terrain qui fait que, voilà, tu mérites d'être dans les 11, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'on doit avoir peur de toi, en fait, sur le terrain? Ben, on doit avoir peur de mon intelligence de jeu. Parce que, franchement, là, pour l'instant, allez, niveau les 1 contre 1, tout ça, je ne cherche pas beaucoup. Parce que je sais, on va dire, j'ai un temps d'avance. Je sais que si je fais ça, ça va m'amener là, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus ça.
Je fais une petite parenthèse parce que je vois qu'il y a un certain Mason Istas qui est en train de me dire que je crois que Malik il connaît rien à FIFA. Mais comment? Si, je joue tout le temps à FIFA. C'est juste que c'est ce genre de truc que je regarde pas. Allez, bah, tu sais quoi, Mason, c'est jamais. Ah ouais, un à contre un là. C'est vrai que j'en ai tapé la honte. En plus, que je joue, tu vas voir, à la fin de l'émission, tu verras, ils vont tous se foutre de moi. Mais bon, bref. Du coup, pour revenir vers toi, Mickey, il y a quand même un truc hein, qui est vrai que ça va faire péter ton score sur FIFA dès qu'on va le montrer tout de suite. J'ai vu une certaine vidéo que t'as postée sur les réseaux. Il y a quelques temps, c'était avant le match contre Charleroi. Apparemment, c'est une certaine trune que tu mets en luquette. On va le voir tout de suite en vidéo. On va voir. C'était qui dans les goals? Parce que je ne reconnais pas forcément. C'est Laurent Kinet. Ah ouais. Ouais. Purée. Et quoi, t'étais sûr de ton coup ou t'étais dit, bon, j'y vais ce... Ben, là, au début, le coach, il mettait des petits ballons en l'air. Et on va dire, on avait deux touches dans le demi-cercle. Et moi, je disais à tout le monde qui passait devant moi, contrôler et tout, tirer pas pour tirer. Après, ils m'ont dit, ouais, toi, t'oses pas et tout, tu doutes de tes qualités. J'ai dit, ok, pas de souci, je veux faire. Et à ce moment-là, bam, je l'ai mis en pleine lucarne et le coach, il a arrêté. Bah, magnifique. C'est vraiment, en tout cas, c'est un des goals de l'année, du coup. Il faudra que tu la gardes encore assez longtemps. On va passer à la troisième partie de l'interview. C'est une interview plutôt photo. Donc, avant de passer à cette interview, je pose la deuxième question du soir, les amis, sur Facebook et sur YouTube, pour tenter de remporter, je le répète, un ballon vintage avec le fanion du Standard. C'est très simple. La question, elle est là. À quel âge Michel-Ange a-t-il commencé le football? Vous avez une minute pour trouver la réponse. Bon, Mickey, si tu peux peut-être donner un indice, hein, c'est peut-être compliqué ça, parce qu'on n'en a pas vraiment. Tu l'as pas vraiment ben, dit, mais. C'est... Franchement, c'est entre 5 et 10. Ok. Ok. Bah ouais, voilà, comme ça, ils ont un peu plus de chance. Donc, on attend vos réponses, et du coup, ça me permet de te demander. J'ai quand même vu un truc hein, sur les réseaux, et comme ça, on clôture direct le sujet. Tu avais une certaine. Alors, je précise, une certaine. Et la Nasson qui demande si t'es single. Bon, tu l'as un peu expliqué, tu peux confirmer, c'est mort, hein, ça, c'est mort. Même si c'est une femme de toi. C'était célibataire. Ouais, c'était célibataire. Ben voilà. Sorry, elle a, il est déjà pris un Mickey. Donc, pourquoi voilà. Mais bon. Vous voulez quelque chose. Mais non, mais ça prouve que t'as des fans, hein, parce que même Nico, il avait aussi deux, trois petites questions de supportrices qui voulaient savoir si t'es célibataire, etc. Donc voilà. Non, parce que je publie ma copine sur les réseaux, j'ai des photos avec elle. Donc. Bah ouais, bah voilà. Bah écoute, on va dire que c'était une fan, une vraie fan. Alors espérer que voilà, tu te disputes avec ta copine, c'est fini, célibataire, et voilà. Non, mais voilà. Et tout va bien de ton côté? Ouais, tout va bien, tout va bien. Elle vit comment, elle, justement, voilà, ta vie parce qu'effectivement, il faut aussi savoir apprécier de commencer sa relation avec un jeune joueur qui va devenir, qui est pro maintenant. Comment ça se passe? Au début, très bien. Au tout début, on s'est connus, on s'est rencontrés quand j'étais encore en U21 et que j'avais rien prouvé aux supporters du Standard, pas au monde, on va dire. Et donc là, pour moi, c'était bien parce que, on va dire, je cherchais une vraie copine qui n'est pas là quand je suis connu maintenant, qui est là quand j'ai rien. Mmh. Et c'est ce qu'elle fait. Donc pour l'instant, là, elle est un peu à distance. Souvent, elle vient, souvent, j'y vais chez elle. Et elle est de Rennes. C'est long, c'est très loin quand même, mais on tient le coup. Ça va, la distance, tracasse pas. J'ai des amis autour de moi, la distance, ça marche très très bien, donc du coup, c'est pas insurmontable. Mais c'est dur, cool. Mais ça va. Donc, non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça montre encore une nouvelle fois ta personnalité, que voilà, t'es quelqu'un qui est assez simple, qui rencontre les gens de manière très simple, notamment ta copine. Bon, les amis, sur Facebook, sur YouTube, la deuxième question, elle est terminée. Hein. Donc, on arrête le chrono. Et donc, la réponse, Mickey, c'était quoi? 7 ans. 7 ans, ben voilà, donc on va récupérer les bonnes réponses parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes réponses mais aussi de mauvaises réponses, donc en fin d'émission comme d'habitude on annoncera les deux gagnants. Allez, on passe à l'interview photo, Mickey. On va donc te balancer quelques photos et tu pourras commenter dessus. C'est en rapport avec toi, hein, tracasse pas. Alors du coup cette photo-là, elle est peut-être pas évidente, hein, mais bon effectivement c'est un goal dans un stade vide, tu me vois venir. Comment tu as vécu justement cette saison quand même bizarre, ta première saison pro dans un stade vide, notamment un stade comme celui de Sclessin où tu aurais dû malheureusement vivre de belles émotions, enfin heureusement vivre de belles émotions, mais malheureusement à cause du Covid, tu ne peux pas les vivre. C'est quand même un peu bizarre quand tu marques quand il n'y a pas de supporters derrière le but ou même à côté.
Parce que quand tu entends un supporter crier et quand le speaker il répète ton nom de famille, ça te donne des frissons et tu vis plus que ton rêve. Tu vois? Et là, même là, en marquant là, je me suis dit, ça m'a quand même donné des frissons parce que c'est un derby wallon quand même. Et tous les supporters qui étaient chez eux, tout comme mes parents, ben pour moi, c'est une joie et une fierté. Donc, je suis très content. Quoi. Ouais, mais c'est que tu l'as dit, hein, ce qui devait être plus dur, c'est pas forcément pour toi, mais plutôt pour tes parents, pour les supporters qui auraient aimé fêter ça avec toi. Exactement, parce que quand tu marques un but, tu fêtes ça avec ton papa qui est en tribune et avec ta maman et les supporters. Parce que pour moi, franchement, je dis pas ça aux autres, mais pour moi, les supporters, je les considère comme mes parents. Parce que quand tu es jeune et que tu joues le samedi à 14h, bah, c'est les parents de tous tes coéquipiers et l'équipe adverse qui sont là en train de supporter le match dans le froid, etc. Et c'est pareil pour les supporters. Et certes, il y a des jeunes, il y a des gens de mon âge, mais voilà, je les considère un peu comme si c'était les parents de mes coéquipiers, mes parents qui étaient là en train de nous regarder, quoi. Ouais. En tout cas, tu as beaucoup de fans, hein, Mickey, je vois sur les réseaux sociaux. Il y a Vincent Boucha qui dit Malik Ucha, c'est la classe, c'est le calme. Rien que ça. Et puis Maxence Cools, pour revenir brièvement sur FIFA, qui dit sur FIFA, en mode carrière, sa carte, elle est top. Elle évolue vite à 5 étoiles de gestes techniques. Incroyable. Ça, voilà, ça c'est le top conseil. Donc, tout le monde donc voilà. Ben, c'est sûr. Prochain jour, allez chercher sur FIFA, Michel-Ange Baïkouicha. Et même. Fonce, hein, sur le terrain. Parce qu'après. Ouais, non, mais le terrain, tu vas bien rester avec nous au standard hein, pendant longtemps. Parce que non, il n'y a pas moyen. Tu pars pas. Allez, on balance la deuxième photo. Bon, l'idole, hein, non? Ouais, ça c'est sûr, ça c'est l'idole, ça. Ça c'est une personne, franchement, qui m'a fait kiffer le foot. Pas pour ce qu'il fait, mais pour le travail extérieur qu'il fait aussi. Parce que, allez, je sais pas s'il est toujours là, mais le film de Cristiano Ronaldo, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment top. Beaucoup de gens voient qu'il a beaucoup d'argent, mais faut voir ce qu'il achète chez lui aussi. Un bain froid, une salle de musculation. Tout ça, c'est important pour un joueur de foot. Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent pour acheter ce genre de choses. Comme ça, je sais que je pourrais tenir autant d'années comme lui fait, jusqu'à 36 ans, et de prouver chaque saison, quoi. Ouais, et puis, c'est vrai que ce que montre le film, pour l'avoir vu, c'est son côté travail, le travail acharné. Et en fait, c'est vrai que je te avoue que même moi, au début, ben, j'étais pas très fan de Cristiano Ronaldo, parce qu'on avait toujours l'impression que sur le terrain, c'était un peu le mec qui provoquait, etc. Mais au final, c'est un mec qui est très respectueux, qui fait attention aux autres. C'est peut-être ça aussi qui te plaît, c'est sa personnalité, mais en même temps, le côté travailleur, pour aller le plus haut possible. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui prie, qui le monte pas, et qui prie, qui est simple, qui est humble, qui donne de son argent à des hôpitaux, tout ça, donc. C'est un peu comme moi. C'est l'argent, je peux le donner à n'importe qui si c'est pour l'aider. Donc ouais, c'est mon idole. Je me vois un peu quand il était jeune et qu'il a dû quitter sa famille. Je voyais qu'il pleurait, que c'était dur. C'était pareil pour moi quand j'ai quitté mes parents à 13 ans. Je voulais rentrer et le jour où ma mère m'a dit si tu rentres, t'arrêtes le foot. C'est là que j'ai compris que je devais rester et travailler dur. Ouais, parce qu'on ne le dit pas assez, hein, c'est pas évident, surtout pour vous, là, les jeunes joueurs qui deviennent pros, c'est de parfois faire quelques petits sacrifices, notamment, bon, on le verra plus tard, hein, parce qu'effectivement, il y a une photo, hein, je tease déjà par rapport à ta famille, bah, c'est quelque chose qui est quand même dur aussi à gérer, c'est le côté pro, d'accord, mais il faut aussi parfois mettre de ce côté des choses importantes comme la famille, quoi. Ouais, exactement, c'est toujours dur de quitter sa famille, parce que quand t'es avec ta famille, sache-le que t'auras toujours tout, tu manqueras de rien du tout, mais le jour où tu vas partir, tu vas sentir que la présence de ta famille est très importante et tu vas sentir un vide. Mmh. Et ça, c'est très dur et il faut se préparer à ça. Photo numéro 3, du coup. Ben oui, mais avant de commenter cette photo et de parler un peu de la personne en face de toi, justement, cette personne-là, elle avait un petit message à t'adresser. Là, et on va l'écouter, tu vas l'écouter. Ouais, le mic. Alors voilà, je te fais cette petite vidéo déjà pour te dire que je suis fier de toi, de ce que tu as fait cette saison, ça fait plaisir. Tu es toujours le même depuis petit, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Tu es toujours le même, la joie de vivre, ça qui fait plaisir, franchement. Et alors aussi, parce que j'avais une petite question pour toi. Alors, comme je sais que tu es quelqu'un qui rêve grand et qui a de grandes ambitions, quel serait ton plus grand rêve en tant que footballeur? Allez, ciao le mic.
Je précise quand même, on avait des petits soucis par rapport à l'export, hein, mais bon, je tiens quand même encore à remercier Nico pour avoir fait cette chouette vidéo, et en plus aussi remercier Guillaume, le Real ici, qui a fait de la magie pour récupérer cette vidéo, parce qu'elle était importante, Mickey. On avait envie que tu l'entendes, parce que c'est un peu ton brother. Ton brother. Ouais, c'est un peu mon jumeau ici au Standard, parce qu'on a grandi ensemble depuis tout petit. On a fait, bon, quand j'étais en Anderlecht, t'es lui au Standard. On jouait l'un contre l'autre, on faisait des 1 contre 1 parce que j'ai joué tous les postes, moi. J'ai commencé en défense et lui, vous le voyez au milieu de terrain, mais c'était un vrai numéro 9 à tenir, Nicolas Raskin. Donc, ouais, depuis petit, on est toujours proches et même chez les jeunes, il n'y a jamais eu de rivalité. On a toujours pris du plaisir et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'entend très très bien. Et je me répète, hein, j'espère vous garder encore longtemps, vous deux, au Standard, parce que je sais bien, t'as dit la PL, hein, bientôt la PL. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, je te le souhaite, mais pas tout de suite. Reste avec nous, on va d'abord regagner le titre avec vous. Ouais, allez, ouais. Photo numéro 4. Alors du coup, ben, voilà, c'est la seule question que je vais te poser, c'est ça fait quoi d'avoir porté un autre maillot, mais qui est tout aussi important, c'est le maillot de l'équipe nationale, en tout cas chez les jeunes. Bah, c'est toujours une fierté de jouer pour son équipe nationale parce que je suis belge de nationalité et d'origine congolaise. Donc c'est toujours une fierté de jouer pour cette équipe nationale. J'ai commencé aussi chez les jeunes. C'est pas à mes débuts là maintenant, mais c'est toujours une joie d'être sélectionné parce que ça montre que le travail que tu as fait, ben voilà, ça c'est ta récompense. Donc j'étais très content d'être appelé avec les U21 pour une première. Ouais, encore une fois, qui montre que voilà, on te suit de très très près et que voilà, à mon avis, moi j'espère qu'on continuera à t'appeler en équipe nationale belge. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve du coup. On va passer à la photo 5, hein, du coup. Voilà, je l'avais un peu teasé, partie de la famille. La famille, c'est important, Mickey, du coup, tu l'avais dit, hein. Ouais, ça, alors d'aujourd'hui, mis à part ma copine, ça c'est ma plus grande force aujourd'hui. À mon petit frère qui m'encourage tout le temps, mes petites sœurs qui me supportent, mon frère William qui est toujours avec moi, mon père et ma mère qui a toujours été là pour moi dans les bons et les mauvais moments. Quand j'étais seul, elle me relevait la tête. Donc ça, c'est ma force. Hein. Si tu peux juste te redresser un tout petit peu, Mickey, parce que voilà, nickel, comme ça on te voit encore mieux sur l'écran. Du coup, oui, la famille, c'est important, tu l'avais assez expliqué. On va avancer hein, sur les photos. Tu as peut-être un petit message à leur adresser, hein, ils te regardent sûrement, donc voilà, c'est le moment, c'est l'instant, le message tout mignon, quoi. Ah, ils ne doivent pas s'inquiéter que je vais tout donner, et surtout pour mon grand-père, son nom de famille, je vais le porter très très loin. Ben voilà, on espère que le message est bien arrivé. Allez, dernière photo, avant de passer au game, et je le rappelle, à la fin, vous pourrez gagner le maillot dédicacé de Mickey Balikwisha. Bon, j'ai voulu prendre cette photo, hein, tu l'as reconnu, hein. Il est encore bon? Il fait bien les gestes ou là, le photographe l'a pris dans un moment où on pensait que ça se passait bien? Il arrive encore? ça va par moment. Par moment, il contrôle un peu du tibia. Mais... c'est difficile parce que des fois le ballon il est très haut, donc pour essayer de récupérer ça, il faut vraiment être calme et anticiper la descente du ballon. Mais sinon, finition, il a encore sa finition, c'est pas des ballons qui partent en l'air, donc il a encore. Toi, tu veux gagner encore ta place chez Léon dans le 11 de départ, hein. Toi, non, tu comptes... moi je suis pas quelqu'un comme ça, moi. C'est mon travail qui fera que je serai là. Ah ben voilà, c'est la meilleure des réponses. Mais c'est vrai, Mbaile, pour toi, c'est déjà celui qui te donne ta chance et qui croit en toi. Mmh, exactement. Vu que je donne tout pour lui, il me récompense. Enfin, il me donne ma chance, il me dit fais-toi plaisir. Par moments, je suis un peu bloqué, on va dire, dans mon jeu. C'est pas que je stresse, mais je tente pas beaucoup de choses comme à l'entraînement. Et il essaye de me faire sortir ça. Par exemple, contre Maline. Quand je suis en 1 contre 1, il me dit « Allez, 1 contre 1, écrase-le pour que ça me motive et ça me donne envie de un peu ridiculiser l'adversaire quoi, et de jouer comme à l'entraînement. » Et je le remercie vraiment. Ben voilà, j'espère en tout cas qu'il nous regarde ou qu'il reverra l'émission. Voilà, la petite dédicace que tu viens de lui adresser, Mbaile, qui fait, il l'a dit hein, quand il était venu dans le talk,
il donne sa chance aux plus méritants. Parce que c'est vrai que c'est important aussi. On dit souvent que voilà, il y a les jeunes et les autres, mais dans son équipe, il a que des battants, des professionnels, et il choisira les meilleurs, tout simplement. C'est ça aussi qui fait sa force. Du coup, Mickey, merci beaucoup d'être venu dans ce talk aujourd'hui, en tout cas pour ta sympathie, ta franchise, ton sourire. Bon, c'est pas totalement terminé parce qu'on arrive dans la dernière partie du talk, la plus connue, c'est celle qui te concerne aussi parce que t'offres ton maillot, le maillot dédicacé de Michel-Ange Baïkouicha. C'est parti, on arrive dans le game. J'en profite quand même pour dire bonjour encore à ceux qui nous suivent, Valérie, Nicolas, Aksu, RSC, Nathan, merci de nous suivre chaque mardi dans le talk RSCL. Du coup, je l'avais dit, il y avait déjà deux ballons vintage qui ont été joués ce soir. On va balancer les noms des gagnants en fin d'émission. Et puis, il y a le dernier jeu, peut-être l'un des plus beaux, le maillot dédicacé de Michel-Ange Baïkouicha. Pour cela, il va falloir retrouver ce joueur. Bon, Mickey, si tu le trouves, hein, tu ne dis rien. Je ne sais pas si c'est si facile, mais bon, voilà, on va balancer la petite photo. Qui est donc ce joueur? Alors, ce n'est pas le début de sa carrière, mais à un moment donné, en 2014, il était à l'Olympiakos, puis il est arrivé au Standard, 2015-2018. Il a été prêté à Metz, puis ensuite, il a été du côté de Toulouse, et puis, en 2020, à Desislesport. Je le présente pas correctement, mais bon, bref. Je sais que sur les réseaux sociaux, on a dit que j'avais un anglais bad. Voilà, j'ai aussi... je ne prononce pas bien certains fagnons de foot, sorry. Pas être parfait, hein. Alors du coup, vous avez 30 secondes encore. Non, 30 secondes, qu'est-ce que je raconte? 30 secondes viennent de s'écouler. Je laisse encore 10 petites secondes. Je vois que effectivement, il y a pas mal de bonnes réponses. T'as trouvé, toi, Mickey? Ouais, je pense avoir trouvé. Grâce à la première équipe, je pense. Ah, ok. Ben voilà, le chrono est terminé. Il y a des bonnes réponses. Je vais d'abord écouter la tienne, voir si tu peux remporter ton maillot dédicacé. Ça serait super cool. Donne-moi juste la première lettre, c'est quoi? Juste la première lettre. Du nom? Du nom, ouais, du nom du joueur, donc c'est D. Ouais, je me disais bien, Dosséville, hein. Ben voilà, Mickey, en plus de super fort sur le terrain, il est fort aussi en culture foot, laisse tomber, on n'est pas prêt. Voilà, donc c'était Mathieu Dosséville. Alors le temps qu'on me donne les trois gagnants ce soir, Mickey, j'ai juste envie de te poser une dernière question. Bon, ben on arrive à la fin de saison, ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour voilà, la fin de saison, mais aussi pour la saison qui arrive et pour ben, la fin de l'année, etc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement? Ben, me souhaiter de continuer comme je le fais ici, de continuer à me battre, de prendre du plaisir et de rendre fier tous ceux qui me supportent. Et je demande que ça. Eh ben, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup, Michel-Ange Baïkouicha. Hey, franchement, tu reviens quand tu veux, hein. Quand tu veux, pour n'importe quoi, pour envoyer des vidéos aux autres, les taquiner, ou même venir en même temps avec d'autres joueurs. Hein. C'est un peu ce que j'aimerais bien vous avoir à un moment donné à plusieurs. Ça peut être cool dans le talk, je crois qu'on peut. À plusieurs comme ça, 2-3 ici. Ah ouais, oui, d'office, ça marchera. Bah ouais, peut-être avec Pavlovic et... ah mais tiens, c'est vrai, parce que je disais Pavlovic, je disais Nico Raskin. J'ai quand même envie, avant que tu partes, parce que c'est vrai, j'allais l'oublier alors qu'il est venu dans le talk et qu'il t'a laissé un chouette message aussi. Ça m'a fait plaisir de l'avoir. Guillaume, je ne sais pas si tu peux mettre cette vidéo-là maintenant. Alors, on va la balancer. C'est un autre joueur qui aussi commence voilà, cette année en tant que pro. Il a un message pour toi. Yo Kiki, c'est Hugo. Donc voilà, j'ai appris que tu passais dans le talk ce mardi avec Malik. J'espère que ça va bien se passer. Et voilà, encore un goal ce week-end. Que demander de plus? J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres qui vont suivre. Ciao. Voilà, Hugo Siquet aussi. On espère vous garder longtemps, les gars. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir eu, Michel-Ange. Et comme je te dis, repasse quand tu veux, t'es le bienvenu. Moi aussi, Malik, ça m'a fait plaisir. Quand tu veux, voilà. Je ah ben, ça va. Et tu m'aideras de temps en temps aussi à pouvoir réussir à faire des volets comme toi, tu les fais. Parce que voilà, moi, j'y arrive pas. Ou pire, je me pète le dos si j'essaie de faire un mouvement comme ça. Mais bon. Ouais, ah, tu montreras. De toute façon, j'ai un nouveau surnom si tu veux. Vas-y, c'est quoi? C'est Kiki. Ah, bah oui, c'est ça. Du coup, c'est ce qu'il disait. Je comprenais pas trop pourquoi il t'appelait Kiki. Brièvement, pourquoi Kiki? Parce que au foot, on m'appelle Kylian Mbappé. Ah, le jeune. Ouais. Foufou, tu vois. Eh ben voilà, ben écoute, hey, j'espère qu'on te souhaite en tout cas ben voilà, une belle carrière comme lui déjà. Enfin, lui a 22 ans, je crois qu'il a 22 ans maintenant. Donc voilà, si tu vas dans sa lancée, ben, avec grand plaisir, on te suivra et on te souhaite bon courage en tout cas. Tu le mérites dans sa première partie de carrière, entre guillemets, ton tout début de carrière. Ben, moi, je trouve déjà que t'es un chouette gars, je te le dis sincèrement. Et voilà, je te souhaite le meilleur. Merci, merci Malik, merci. Allez, à très vite, hein, Michel-Ange. À très vite.
Ciao, ciao. Bon, mais voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié regarder cette émission avec Michel-Ange Baïkucha. Ça fait plaisir de voir hein, tous ces joueurs qui cartonnent en pro et qui, en plus, restent focus sur le jeu, restent décontractés. Et voilà, il n'y a rien à dire. Ça fait plaisir d'avoir des émissions comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. J'en profite maintenant pour donner les trois gagnants. Donc, je répète, les deux premiers vont repartir avec un ballon vintage. Félicitations à toi, François Beauclainville. Félicitations à toi, Louis Léonard. Et celui qui remporte le maillot dédicacé de Michel-Ange Baïkucha, c'est Patrick Lassois. Félicitations à vous trois. Vous n'oubliez pas, hein, les gars, pour laisser vos coordonnées, ben, vous avez une adresse, rsl@letalk.be. Donc, je répète, François Beauclainville, Louis Léonard et Patrick Lassois. Patrick Lassois, tu remportes donc le maillot dédicacé de Baïkucha. C'est pas beau, ça? Allez, les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi cool. Je ne vous dis rien pour le moment, mais je suis sûr que vous allez kiffer. À très vite et bonne soirée. Ciao!